Pourquoi tu voulais pas parler? Les sorcières. Hein? Qui t'a donné? Hein? Comment t'as donné ça? Hein? Qu'est-ce que t'as fait à ta tentille? Hein? Viens. Qu'est-ce que tu fais à ta cantine? Comment? Hein? Tu as attaché son ventre. Comment tu as fait? Hein? Je n'attends pas, il faut parler bien. Quand tu es sorcier, là, tu es courageuse. C'est vrai que tu es courageuse que tu allais attacher le ventre. Quand tu as attrapé, il faut parler proprement. Vous parlez, je vais entendre. Tu as fait quoi? Je n'ai rien entendu. Ah ouais, où? C'est comme un match, on est un robot. Awa! 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 Tu manges pas? Ta voiture là, ça fait macérer sur moi. Ça va pas devancer Banja. Il n'y a pas calé. Banja, c'est calé là qui les bloque, sinon ils vont passer. C'est Banja ou bien? Awa! Awa! Hein? Awa! Vous voyez toujours, je chante les aider, non? Vous voyez, le prophète n'a rien fait. Awa! Il y a quoi? Awa, madame, vous voyez chaque jour, j'essaie. Hein? Venez. Chaque jour, j'essaie quand même. Awa. On dit quoi? Awa. On dit quoi? C'est le jugement de Dieu. Si elle ne continue pas de parler, je serai obligé de vous enlever d'ici. Comme ça, vous allez gérer votre famille. Vous voyez, le vol peut être prêt. Comme elle est ici, le vol ne peut pas la tu es sorcier, non? Demande. Eh, les bails. Ah, qui ne va voir qui? Tu sais pas comment tu as fait, tu sais pas manger l'homme, tu mets pas l'homme. Tu manges pas. Vous voyez bien ça. Regarde, c'est là. Mais l'avion est venu pour partir avec l'ami. L'avion est venu. Mais si elle prend son vol tranquillement. Elle était déjà enregistrée pour l'embarquement. Chaque jour, il essaie quand même de faire quelque chose. Hein? Alors, chez nous, on remplit pas un bien. Votre gagnant, on remplit pas les biens. Tu dansais ici. Puis la vie, premier jour. Elle était chaud. Faut parler, elle est là, elle ne parle pas.
Elle parle un peu, elle parle un peu, un peu. Lui, les versets, tu dois déjà vu. Va, toi, prends ton avion, tu appartiens. Dégage, dégage. Ton billet n'est plus remboursable. Je suis désolé. On va plus rembourser ton billet. Ton billet. Dégage. Dégage. Oui, madame. Dégage. Dégage, quitte le maman. C'est comme ça. La grâce est un don immérité. Dieu te fait la grâce de parler pour parler. Le où tu ne parles pas, ils vont faire ton enregistrement. Et quand on fait l'enregistrement, c'est fini. L'embarquement, c'est fini et c'est fini. Elle va. Je souhaite un bon vol pour bien atterrir à Mauritanie. Les gens ont envie de parler, tu jouais ça. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi tu ne voulais pas parler? Tu as attaché son ventre comment? Tu joues dedans. La nuit, tu joues dedans. Comment tu fais dans son ventre? Hé, je t'ai demandé, quand tu fais dans quoi dans son ventre? Hein? Tu fais comment? Comment tu fais? Viens. Comment tu fais? Montre comment tu fais. Tu as peur maintenant. La nuit, là, tu es courageux, tu vas faire. Montre. La sœur voit la forme de ta femme, de sa forme. Elle se dit, ben. Comment tu fais? Montre comment tu fais. Ah, rien fait, tu fais, touche. Maintenant, tu rentres. Je joue tous les instruments. La petite joue dans ton ventre. C'est pourquoi. Tu fais ça là, c'est pourquoi. C'est pas toi, il est non. Oui, c'est pourquoi. Parle fort. Tu es sorcière. Tu as tué. Hein? Faut parler ou bien? Je ne vais pas te prendre. Hein? On t'a forcé. On t'a forcé pour parler. Tu as tué. Combien? Hein? Tu connais le nom? Donne-moi le nom. Comment tu fais? Je te trompe du coup. Parle fort. Parce que c'est son papa qui a donné la sorcellerie. Donc tu l'as tué. C'est Gobel. Donc tu l'as tué. Et l'autre. Hé, hey, allons-y vite. Avec quoi? Pas le fond. Parle fort, hein, je t'entends pas. Hein? Je te touche. Donc, tu joues avec ta femme, c'est ça? Et
Tu as gâté quoi? À part ta tante. Elle est où? Tu as gâté quoi chez maman? Mon brave. Quoi? C'est la chance. Qu'est-ce que tu as gâté? Comment? Hein? Comment ça s'appelle? Eva. Bien. Tout en fait là, c'est bon. C'est là qu'il faut les envoyer ici sur le détecteur. On t'a frappé? Hein? On t'a frappé? De toi, des deux là, qui va pleurer? Qui a gâté qui? Pardon, ça me fait. Et si tu es là, on t'a pas touché, on frappe enfin ici. On craint, combien tu ne veux pas laisser sorcellerie? C'est ça que tu pleures. C'est ça. Qu'est-ce que tu as gâté dans la vie de Chamonix? Comment ça change, c'est ça? Comment tu as fait? Tu as fait quoi? On t'attend pas quand tu parles. Parler, parler. Hein? La vie de ta maman. Il t'a fait quoi ça? Hein? Donc elle doit plus avoir la chance de l'argent, tout ça, c'est ça? C'est ça qui t'a gâté. Celle-là, tu as gâté sa vie aussi. Vas-y, 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 vas-y. Non, moi c'est l'essentiel. Il y a des tirs, tout ça. Non, non, on ne va pas rentrer dans le monde de sa construction, ça. T'es Dieu. Moi je t'entends pas. T'as entendu pourquoi elle est où? T'as gâté quoi? T'as gâté son travail? T'as gâté qui encore? Je t'ai laissé, hein? Moi, je n'aime pas les trucs comme ça, hein? Je ne joue pas avec des sorcelleries. Ça veut dire quoi? C'est pas des sorcières. Parle-moi, on va te délivrer ou bien? Si ta voix ne sort pas, tu allais t'asseoir dessus. Oui. Je connais son nom, je le connais. Tu as gâté quoi? Comment tu as fait? J'ai vendu. À qui? Elle est où? Ah ouais, là, elle est là. Elle parle plus. Hein? C'est ma grand-mère. Où elle est? Je vais nous attacher. Il est pas où? Il
moyen pour la galère pour où dormir. Sans prière. Ça a gâté une grande maman. Tu as fait quoi? Eh, hey, faut parler. J'ai attaché sa tête. Tu avais dit quoi? Tu avais attaché. Elle a mangé. Elle est son dossier. Faut parler quoi? La petite devinée, toi, là, c'est elle qui joue. Elle est tombée. Elle dit, voici ton problème là. Je lui ai dit ouvertement, voici. Une année en 80, en 2009, jusqu'à là, mon bureau était au plat à Dijon. Et une dame vient avec sa cousine qui a son bébé. Et moi, je la trouve au portail parce qu'il devait rentrer dans mon bureau. Et je lui ai dit, mais tu fais quoi? Tu es sorcier? Qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, elle m'approche, je lui dis non. C'est elle qui est venue faire délivrance. Ça, c'est sa cousine. Sa cousine l'a accompagnée. Elle dit, ah, c'est elle qui est là-bas qui a travaillé. Non, tu fais. Pourquoi t'amuser comme ça? Elle est trop chrétienne. Je l'ai appelée, elle dit, je l'ai appelée, elle dit, parle. Elle a commencé à parler là-dessus. Elle a commencé à pleurer. Elle a failli la griffer. Elle dit, non. J'ai ça dans la tête. C'est un détecteur. C'est pas parce qu'il y aura le visage. Quand ça signale, c'est fini. Dieu m'a fabriqué pour ça. Et puis là, elle est rentrée dans les moindres détails, comment elle a détruit la vie de sa soeur. Comment elle a appelé l'âme de sa soeur. Et puis sa soeur l'a envoyée à Abidjan sauver ses enfants. Et quand cette femme-là, il est fin du mois, elle, son mari, c'est fini. Il dépense sur les enfants tombent malades. 15, c'est fini. Quand les enfants guérissent, c'est que l'enfant est fini. Donc le monsieur est toujours endetté. Il fait une ferme, elle va être détruite, la ferme. Elle détruit la provision du mois, elle capte le congélateur. Et puis elle a été dévoilée. Les enfants étaient délivrés. Dès qu'on a posé l'action, c'est fini. Maladie s'est arrêtée, tout est arrêté. Là, elle est venue à la fille, elle dit, la petite qui a causé des torts. C'est elle votre problème. Vous savez, par moment, quand vous venez ici, il y a des choses qu'on n'a pas envie de vous dire. Tout à l'heure, j'ai posé son lit avec une soeur. J'ai dit ici, c'est un centre d'écoute et de délivrance. Quand vous venez ici, nous menons d'abord une action de délivrance. Pas parce qu'on a vu que vous achetez vos bouteilles, non. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'ennemi ne doit pas maîtriser. Quand vous venez ici, il faut qu'on gère cette situation d'abord avant de rentrer dans une orientation prophétique avec vous. Sinon, ça vous créera des problèmes. J'ai pris l'exemple de Joseph qui a partagé la révélation de sa destinée à ses enfants. C'est vrai, il a eu des problèmes. Amen. Donc quand vous venez ici, nous ce qui nous intéresse, quels sont ceux qui sont derrière vos problèmes, c'est tout. Vous voulez délivrer. Vous voulez la bouteille. Vous êtes déjà chrétien. À la maison. Toi seul. Tu es pasteur, tu es prêtre, tu es prophète, tu es évangéliste, toi seul. Tu fais les cultes. Donc tu n'es pas chrétien. Mais pour la maison. Non, ça ne veut rien dire. Moi, je suis un homme de Dieu, j'ai été formé. Je suis allé à l'école théologique. J'ai une licence en théologie. Elle n'a pas fait la formation théologique, donc on n'est pas la Bible. Or, l'âme a besoin d'être nourrie. Or, si elle ne va pas à l'église, comment j'aurai les choses d'enseignement? Il faut qu'on enseigne. Donc, la maison n'apporte rien. Aujourd'hui, les gens m'appellent sur Internet pour dire,
on suit tes cultes sur l'internet parce que on a été déçus. Mais au moins les enseignements. Elle à la maison, quel enseignement elle connaît? Quand il demandait si je fais des recherches dans la Bible, vous allez voir avoir des problèmes. La Bible, on dit bien ça. Parce que dans le passé de théologie, ce qu'on appelle l'hermétique, l'art de l'interprétation. Comment interpréter les choses, l'histoire de la Bible, l'histoire de tel celui qui a écrit, et tout ça, il faut connaître son histoire, et puis adapter la chose à notre époque. Tout ça, tu ne connais pas. Donc tu ne peux pas faire culte à la maison. Il faut te trouver une église. Et ça, c'est important pour nous. Trouve-toi une église. Tu as compris? Tu as compris? Ce n'est pas une excuse, j'ai un enfant, à cause de ça. Non, trouvez-vous une église. Quand vous venez ici, après la délivrance, ce qui sera plus intéressant, c'est comment conserver votre délivrance. Parce que si vous négligez l'affaire de Dieu, vous allez avoir vous-même des problèmes. Ce dont Satan a peur, c'est Jésus. C'est vrai que vous serez délivré. Mais la Bible dit qu'un démon sort, il va chercher, et puis après ça, il revient. Il dit, non, comme je vais quitter chez le prophète, la chose c'est fini, je suis assuré à 100%. Non, le prophète, c'est pas lui qui assure. Donc ce matin, il est venu, il m'a dit non, acclamer le prophète, il dit non, moi je dis, pourquoi m'acclame? Ici c'est Jésus. Vous devez avoir Jésus. C'est pour ça que nous prenons du temps avec vous pour vous enseigner ça. Vous devez répartir avec Jésus. Et je disais aux gens, non, moi je suis musulman. J'ai dit, c'est pas une question de religion. C'est une question de Jésus qui me protège. C'est pour ça qu'il dit, viens, non? Hein? Donc vous l'acceptez? C'est pas une question de religion. Je ne dis pas telle religion, c'est pas bon, telle religion. Si tu as devenu ici, je vais t'imposer Jésus. Pas une religion, je vais t'imposer Jésus. Oh Jésus, c'est pas une religion, c'est une vie. Et quand on a Jésus-Christ, on a l'abri de la sorcellerie. Est-ce que ma bien saisi? Tu as bien compris? Hein? Dieu peut te bénir encore. En condition que tu marches avec lui. On ne reste pas à la maison, on marche avec Jésus. Comprenez? Or, la négligence, la spiritualité aura de la négligence. Là où il y a négligence, c'est fini. On ne néglige pas les choses spirituelles. C'est-à-dire quand vous négligez la prière de 4 heures, c'est fini. Le diable joue avec vous. Or, c'est ça qui est dangereux. Ne négligez rien. Vous voyez nos frères musulmans là. Or, il n'a qu'à être loin. Quand le musulman crie, il marche, met les yeux et sa canne va prier. C'est nous, on dort, on te dit, bon Jésus, c'est qu'il est sûr, Dieu me protège, c'est qu'il est sûr. Et bien sûr. Et puis on a tous les problèmes. Nous devons trop négliger les choses. Nous ne donnons pas trop d'importance à la spiritualité. Et c'est dangereux. Or, c'est la spiritualité. C'est le monde spirituel qui fait le monde visible. C'est tout. Si je ne prie pas, c'est dangereux pour moi-même. Ça va dire, je suis le prophète Crasseux. Non, il a l'onction. Non, je suis chrétien. Avant le prophète Crasseux, je suis chrétien. Avant de sortir de ma chambre, je lis. Je fais des études bibliques. Chaque jour, il y a des passages à lire, je fais des études. Parce que mon âme a besoin de s'alimenter. J'ai besoin sur la nourriture spirituelle. Vous avez bien compris? Si ton âme est forte, petite, elle n'a pas appris ton âme, viens être là, venir. Ton âme est maigre. Quand il vient, il lit ça seulement. Il attrape ça pour manger un sauce grec. Je vous dis, j'aime Jésus. On aime une personne. On n'aimerait pas décevoir cette personne. Ouais. On aime une personne, on aimerait toujours là où la personne est. Comprenez? La chrétienté, c'est toute une vie. Il ne faut pas jouer ça. Amen. Donné, ça va? Les sorcelleries, oui. Dieu va te délivrer. C'est sorcellerie. Ça va? Comment lui? Que la puissance du Saint-Esprit. Merci, notre Dieu. La manifestation de ton pouvoir. La nuit de tout ce qui est semé par Satan dans sa vie. Au nom de Jésus, je détruis les sémences du meilleur que Satanique en proclamant ta Seigneur sur sa vie. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame la puissance de Dieu sur ta vie. Je détruis toute sémence démoniaque et diabolique. Je commande les esprits
Je commande à la maladie de lâcher sa tête. Je libère son âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ta mort sur cette vie à la puissance que nous le sang de la vie. Au nom de Jésus. Viens, viens que je prie pour toi. Viens, viens, viens. Non, non, c'est que, non, c'est qu'assise là en rose. Rose en bas. Bien, allez à toi. Tu es délivré de toi. Je suis. Allez.
toi. Quitte ce corps. Quitte. Lâche-la. Lâche son âme. Tu m'entends? Lâche son âme. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Libère son âme. La puissance de Dieu. 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 La puissance de Jésus. La puissance de Jésus. Nous levons tous les mains et nous prions le Seigneur. Nous invoquons ton puissant nom, Yahvé, notre Dieu. Nous invoquons ton puissant nom ce matin. Elohim est ton nom, Yahvé, notre Dieu. Elohim est ton nom, notre Dieu. Nous réclamons toute ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Viens libérer et touche toutes ces vies, Seigneur. Agis maintenant, nous comptons sur toi. Agis maintenant, nous comptons sur toi. Agis maintenant, nous comptons sur toi. Seigneur, manifeste-toi, s'il te plaît. Agis pleinement au nom de Jésus-Christ. Le nom de Nazareth. Je réclame la grâce de Dieu, si ça dit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Jésus. La main de Jésus. La puissante main de Jésus-Christ se manifeste. Que tu touches. La puissante main de Jésus. La puissance du nom de Jésus se manifeste. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. La puissance de Jésus. Seigneur, nous comptons sur ta main, nous comptons sur ta puissance, Seigneur. Merci de nous libérer encore. Nous comptons sur toi, Yahvé.